Bonjour à toutes et tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'écriture au sens propre, mais on va parler de métier et on va parler de défense des auteurs. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça, vous devez voir passer beaucoup d'informations sur le sujet de la Ligue des auteurs professionnels. La Ligue des auteurs professionnels, nous l'avons cofondée en septembre dernier à la Maison de Balzac. Une association qui a pour particularité de regrouper plusieurs associations ou syndicats de défense des auteurs et autrices. Et elle a été cofondée par la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, les états généraux de la BD, le Snack BD, et elle est rejointe au fur et à mesure par d'autres organisations qui ont le même objectif. Nous sommes donc plusieurs auteurs et autrices à l'avoir cofondée et je suis la présidente de cette association avec en vice-président notamment Denis Bajram qui est un auteur de BD que vous connaissez sans doute et nous sommes un conseil d'administration très actif et nous essayons de travailler bénévolement et collectivement autour de la défense de ce qui est bel et bien un ou des métiers. Notre objectif avec la Ligue des auteurs professionnels, c'est de remettre les questions de métier au centre, de déconstruire aussi toutes les mythologies autour strictement de la vocation par rapport à ce qui concerne aujourd'hui le fait d'écrire, de dessiner ou de traduire dans ce pays. Et puis c'est aussi de réfléchir et d'apporter des solutions très concrètes à tous les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui de l'ordre des réformes sociales, fiscales ou juridiques. À la journée de la Ligue, j'ai emmené la caméra avec moi en disant que ce serait intéressant de vous montrer aussi l'envers du décor et puis les discussions qu'on a aussi entre nous en tant qu'auteurs et autrices dans un climat social qui est plus urgent que jamais. J'ai publié une trentaine de livres dans des genres très divers. Et je fais aussi un peu d'auto-édition à côté, n'est-ce pas? Puisque la Ligue, elle est aussi ouverte aux auteurs auto-édités, puisqu'on s'est basé sur nos critères, sur la stricte notion d'auteur au niveau du code de la propriété intellectuelle, qui est un individu qui a créé une œuvre. Et j'ai été présidente de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Et depuis le début de mon mandat, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec Denis, qui est présent ici, via les états généraux de la BD, dont je salue évidemment le travail incroyable qui a été fait. Et je ne sais pas si vous connaissez le travail des EGBD, mais moi, le jour où j'ai lu le début de cette étude, je me suis dit, mais il y a enfin des gens qui sont en train de parler de la réalité de laquelle on vit. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas bien, et on n'est pas dans l'imaginaire de l'auteur, mais on est dans des statistiques, et on essaye de faire en sorte de pouvoir en vivre. Donc très rapidement, on a commencé à travailler ensemble. Il nous a paru extrêmement logique, du coup, qu'il fallait qu'on unisse tous nos forces pour voilà, avancer dans la même direction. On s'est rendu compte assez vite, parce qu'on a, en parallèle des statistiques, fait un travail de sociologie et on a cherché des solutions longtemps, et on s'est rendu compte quand même une bonne partie des problèmes de bande dessinée étaient des problèmes d'auteur, avant d'être des problèmes sectoriels. Même si on peut identifier des problèmes qui sont propres à notre secteur, la précarisation des auteurs, c'est un problème d'auteur, pas d'auteur de bande dessinée. Mmh. Et c'est pour ça qu'assez vite, nous, on s'est retrouvé un peu face à une butée, parce qu'on savait plus trop comment on était écouté pour la bande dessinée, pas pour le reste, etc. C'est pour ça qu'on a commencé aussi à discuter avec la Charte, avec le GD, etc., pour essayer d'élargir cette pensée-là. En fait, tout ça, c'est vraiment un ensemble d'organisations qui réalisent que la problématique, elle est globale aux auteurs du livre. Et aujourd'hui, qu'on se rapproche d'autres types d'auteurs, audiovisuels en tête, on se rend compte que c'est une problématique qui dépasse celle de l'auteur du livre, qui est bien une problématique aujourd'hui de l'auteur en France. Le professionnel est revenu plusieurs fois. C'est-à-dire que c'était un... Alors là, moi, je l'ai vécu texto au Snack BD. C'est une discussion qu'on a eue il y a 5 ans, 6 ans, où à un moment, j'ai dit, mais on est un syndicat, on représente les auteurs de BD, ou les auteurs professionnels de bande dessinée. Théoriquement, un syndicat, c'est une organisation professionnelle, on présente les auteurs professionnels. Et la réponse qu'on avait tous actée à l'époque était que c'était déjà difficile de définir un professionnel. Qu'est-ce qu'un professionnel? C'est-à-dire qu'on s'était heurté à ce problème-là. Alors, il y a des professionnels évidents. La personne qui en vit largement, qui ne fait que ça, tout le monde est d'accord pour se dire, a priori, c'est un professionnel. Mais on sait bien que la définition, après, se dilue. Il y a des professionnels extrêmement pauvres, mais qui sont des professionnels. Donc, c'est des choses qu'on avait mis dans l'étude des états généraux de la bande dessinée. On avait demandé aux gens de s'autodéfinir. Mais c'est-à-dire qu'on avait, à l'époque, proposé trois catégories d'auteurs se percevant comme professionnels installés, professionnels précaires et amateurs. Et finalement, tout le monde va se retrouver peu ou prou dans la catégorie du professionnel précaire. Je crois que c'était ça la grande découverte.
c'est qu'on peut être à la fois professionnel et précaire, comme autrefois on parlait d'un tel précaire, c'est-à-dire consacrer l'essentiel de son temps, de son énergie, de sa créativité à ce métier, et en même temps se voir fragilisé économiquement. Ce qui est terrible, c'est qu'au moment même où on s'est solidarisé, la situation s'est aggravée. Ouais. Et qu'on a vu les menaces arriver vraiment en rafale. Et donc, bien sûr, il y a eu l'affaire de la retraite complémentaire, mais aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Bien sûr, il y a eu l'affaire de la compensation CSG, aujourd'hui, est complètement dépassée. Et c'est donc tout ce qui a concerné le statut social de l'auteur, le statut fiscal, le prélèvement à la source, et demain, la réforme des retraites. Et donc là, je pense qu'on a eu, et qu'on doit avoir avec la Ligue des auteurs professionnels, une mesure de sauvegarde d'une profession qui pourrait passer de professionnel précaire à plus professionnel du tout. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a un travail de réflexion historique, sociologique, juridique, de manière transversale, pour essayer de faire émerger pourquoi on est dans cette situation et proposer des solutions. Quand on a rencontré le ministre de la Culture en décembre dernier, peu après notre création, on a demandé le lancement d'une mission qu'on a obtenue, qui est la mission Bruno Racine, qui est dédiée aux questions qui sont soulevées de manière transversale, mais sur maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation inextricable qui est qu'au fil des années, on se retrouve avec un régime social qui partait d'une très bonne intention, mais qui, bricolage sur bricolage, devient de plus en plus complexe, peu lisible, et qui fait que ça devient impossible à chaque réforme un peu transversale de résoudre ça. Puisqu'on est dans des incohérences entre le droit social, qui considère qu'on est des travailleurs, et le droit de la propriété intellectuelle, pour lesquels nous sommes juste des œuvres, en fait. Ce qui explique qu'on n'a pas des accords de branche, on n'a pas des rémunérations minimales, etc. Donc en fait, on fait un métier, mais on est vu comme des travailleurs que sous le prisme d'un seul texte, en réalité. Quand on avait fait le Conseil de la Ligue, on avait dit qu'on n'était que des œuvres, et depuis, à étudier, on s'en rend compte qu'on n'est que des corps. C'est-à-dire que de fait, ça dépend sur quel texte. Voilà, mais sur le CPI, on est des possesseurs d'œuvres. Oui. C'est-à-dire que c'est une propriété au sens. CPI, Code de la propriété intellectuelle. C'est bien. Clairement, quand on le lit finalement, donc il n'existe que l'œuvre, et en fait on n'existe que comme propriétaire de l'œuvre. Vous voyez bien dans vos contrats, ces cessions, on est des propriétaires de nos propriétés intellectuelles. Tous les mots comptent, hein. On fait des cessions de droits, on ferait des concessions de droits. Les éditeurs étant les cessionnaires. Ce serait extrêmement différent. On en est aujourd'hui à interroger le vocabulaire. Ouais. Une cession, ça veut dire que nos droits d'auteur deviennent l'œuvre de l'auteur. Céder, c'est céder. Une concession, c'est quelque chose qui veut dire qu'on partage ensemble. Enfin, c'est une latine pour ceux qui ont fait. C'est ce que Jean Zay, en 1936, avait essayé d'instaurer, puisqu'il y a un individu qui a essayé de nous créer un statut social véritable, qui est Jean Zay. Le Jacques Lang du Front Populaire. Le Jacques Lang du Front Populaire, en 1936. Et ce que Jean Zay avait essayé de faire émerger, c'était l'idée qu'en fait, l'auteur était les deux. Il était un propriétaire par la cession, mais il était aussi un travailleur par son corps et par les actions qu'il menait. Donc il a essayé de réconcilier les deux dans un projet de loi qui, au regard d'aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients, mais ce qui avait d'intéressant, c'est que c'était la première vraie tentative pour essayer de résoudre les problèmes dans lesquels on est aujourd'hui. Si ça s'était passé à l'époque en 1936, puisqu'ensuite il a été assassiné par le régime de Vichy, on n'en serait pas là aujourd'hui, parce qu'en fait, on aurait déjà résolu la question sociale de l'auteur, quelque part. C'est historique, mais oui, mais grosso modo, tous ces gens qui sont là. La manif Angoulême, ça a vraiment été un moment qui a déjà changé en partie la perception de l'élu. Mmh. Le fait, c'est que le fait d'être solidarisé, c'est hyper important, quoi. C'est mon emploi, en fait. Oui. Je suis solidaire à la charte des auteurs. C'est comme ça qu'on fait. Et du coup, là, parce que c'est vachement dur, en fait, de se vendre quand on est auteur. Hein, c'est douloureux, même. Hein. Moi, ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi. Mais du coup, cette histoire de solidarité, ça m'aide à fond. Parce que tout d'un coup, je ne parle pas que de moi, je parle d'un groupe. Quoi. Ouais. Et puis ça, on négocie par un tarif, on se réfère à une règle. Non, voilà, exactement. C'est tout à fait autre chose. Et ça, c'était la même chose avec le SNAC pour signer les contrats d'édition. Je suis très, très, très contente d'assister à cette réunion. Et voilà, je vous propose vraiment de participer autant que vous avez besoin de notre aide. Parce que parce qu'on a besoin de ça, quoi. Et ça, c'est... Nous avons décidé maintenant de nous défendre, de parler en notre nom propre et d'essayer de dessiner, d'écrire et peut-être même de traduire, qui sait, notre destin collectif et puis le statut qu'on aura demain.
commencer à poser cette notion de professionnel, ça veut dire de manière sous-jacente parler d'un métier, parler d'une profession qui s'organise et pouvoir vraiment mettre en place un dialogue social qui permettrait de meilleurs équilibres entre les différents intervenants. C'est une association qui est très jeune mais qui est très rapidement devenue incontournable parce qu'elle véhicule sûrement par sa rapidité d'action et par aussi ses nouveaux modes à la fois de revendication et de réflexion pour essayer de faire passer des messages autour de la défense des auteurs et autrices. Et j'ai vraiment la sensation que depuis que nous l'avons créée, nous avons récupéré notre voix. On sent quelque chose qui est en train de germer dans la prise de conscience des auteurs et autrices, de comment s'est construit tout un système et de comment ils peuvent commencer vraiment à se défendre. Et vous avez été nombreux sur Instagram à me dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Comment on peut agir ?» C'est très simple, la Ligue propose des actions qui sont vraiment à la portée de tous. Par exemple, extinctionculturelle.fr, cela vous permet de trouver une lettre toute faite à envoyer aux parlementaires pour les avertir justement d'être vigilants sur toutes les réformes qui pourraient porter atteinte d'une façon ou d'une autre aux artistes-auteurs. Mais la crainte aujourd'hui, c'est compte tenu de la façon dont le système évolue, compte tenu du peu de considération qu'il y a pour nous, compte tenu aussi du fait qu'un certain nombre de réformes ont été mises en place sans précaution et prendre en compte la façon dont on vit tout simplement, et peut-être même le fait qu'on puisse en vivre, hein, c'est la question qui se pose, et ben ça fait qu'aujourd'hui ça devient extrêmement difficile de pouvoir en vivre, même quand on a fait un grand succès. Une situation qui est absolument injuste. Il y a des alternatives qui sont possibles, ça c'est sûr, mais nous ce qu'on veut dire c'est qu'on veut aujourd'hui que ça reste un métier et que ce soit possible à un moment donné pour les créateurs et créatrices de pouvoir vivre de leurs œuvres et tout simplement eh bien, de reconnaître que la notion de travail et la notion de création ne sont pas antithétiques. À partir de là, c'est très simple, si vous souhaitez adhérer, c'est seulement 5 euros. 5 euros pour soutenir nos actions militantes transversales. Après, si vous avez besoin d'accès à des services, de conseils juridiques, des masterclass, des formations, il vous suffit d'adhérer à votre organisation représentative dans votre secteur, le SNAC BD pour la bande dessinée, la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse pour la jeunesse. Qu'il en soit, 5 minutes. 5 euros, c'est très rapide et vous avez accès à tout un tas d'informations sur ce qui est en train de se passer pour nous en ce moment et qui est très important. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.